Hola a todos. Je viens de recevoir un jus. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on vient de recevoir un jus dans la matinée? On en fait une review. C'est le Nutties de chez Vaplen Juice. Pendant que tout le monde est encore en train de s'astiquer le jonc sur l'Angel, nous on a déjà le Nutties qui sort le 1er mars. Donc toujours en format 50 ml nicoboostable, ratio PGVG 25-75. Du coup, c'est vraiment une review à l'improviste à l'arrache là. On s'est monté un petit coil tout propre, toujours les aliens de chez Yotech. On a Nico boosté le jus. On a secoué, on va même resecouer un petit coup. Et on imbibe. J'en profite aussi pendant l'imbibition pour faire un gros coucou au groupe Vapaddiction, qui m'a accueilli il y a quelques jours. Je fais un gros bisou à Steph, à sa compagne. Petit groupe bien sympa, du primo-accédant, du confirmé. On rigole beaucoup. Et bienvenue du coup à tous les membres de Vapaddiction qui viennent de s'abonner à la chaîne. Je pense qu'on est pas trop mal là. Tac. Donc ce jus a été reçu à 11h et la review est tournée à 11h24. Qu'est-ce qui me manque? Tac. Ça sent bon. Petit peu de montage. Tac. Zen. Remplissage de cuve. Donc on est repassé du coup pour cette review sur la Box Revenger et sur le serpent SMM. Coiffé d'un superbe drip tip de TFV812, je sais pas. Du plus bel effet. Un gros coucou à Guillaume du coup qui m'a envoyé ce jus avec une petite lettre. Lettre qui est ici. Alors, Vaplan Juice, Valenciennes, objet nouveauté. Bonjour, j'ai le plaisir de vous faire parvenir mon nouveau juice, le Nutties, un fondant noisette pécan. Avec du coup le petit teaser. Tac! Et grandeur nature. Nutties. Donc c'est gourmand, ça ressemble à de la bûche de Noël. Attention. C'est gourmand. La légèreté rappelle celle de l'Angel. Mais en version, on sent bien cette petite noisette. La noisette est très très bonne. Je vais vous confier un truc. J'aime pas les bûches de Noël. J'aime pas en général tout ce qui est pâtisserie. Si vous voulez, quand les petits enfants ils prenaient des granolas ou des pépitos au goûter, moi j'attendais d'être rentré à la maison pour me faire un sandwich saucisson cervelas. Ce qui explique aujourd'hui ma plastique. Non, je suis un énorme viandard. Je suis plus salé que sucré. Et le truc que j'aime vraiment pas, bon, il y a les oignons, certes, mais rien à voir. C'est les crèmes pâtissières, les gâteaux crèmes pâtissières. Donc ma plastique, je la dois à tout mon travail sur les raclettes, les tartifs, la charcute, pinard, bière, bien évidemment, hein, faut bien s'hydrater. Mais ce petit notice là, je vous cache pas que je suis sur le cul. Donc ça, c'est ce que je vais vaper toute l'après-midi au boulot. Donc clairement, un jus dans la même lignée que l'Angel. Je sens un peu moins la pécan. J'ai peut-être essayé de baisser un peu mon wattage et de serrer mes airflow. Petit type rendu de saveur. Non, c'est très très bon. C'est un excellent gourmand qui fera office d'excellent all day, du coup. Donc ce jus, comme je l'ai dit, il sort le 3 mars. Donc il sera disponible à partir du 3.
Que dire de plus après ça? À part peut-être vous faire un gros bisou, vous souhaiter une excellente vape à tous. Et puis le thème des commentaires, cette fois, ce sera retour sur les QVape Awards. D'ailleurs, le troisième tabac, ce sera qu'une liste de trois, mais les trois sont impériaux. Ce sera peut-être la partie des QVape Awards dont je serai le plus fier, parce que les tabacs, c'est pas ce que je préfère. Et là, j'ai réussi à en sortir trois, pas cinq, trois, mais trois impériaux. Vraiment excellent. Les trois sont totalement différents. De trois juice makers totalement différents, mais putain, ceux qui aiment pas les tabacs, je pense pas que vous serez déçus non plus. Du coup, plein de petits bisous, profitez du soleil, bon courage à ceux qui vont au boulot et à la prochaine!